pour essayer de faire un graf à une bête, le Rav Hashem de terminer en tête. À une Aleph en bas. À une Aleph en bas, exactement. Ah oui, il y a un Echad. Echad Asar. J'ai terminé la série. Donc voilà, on en est à la Mishnah d'Afa une Aleph à Moulbet. Aroa, Yom Echad Asar, Vetavla, la RR, Veshimcha. Donc alors, de quoi on parle? Meshimcha. Ah, t'as raison, tu l'as chargé. Meshimcha, moi. J'ai un Meshimcha, moi. Bon, que de quoi on parle ici? On parle ici, encore une fois, pour se mettre dans le contexte. Attends, 3, 11 jours. J'ai expliqué, pour se mettre dans le contexte. 7 et 11. Voilà, bon, pour se mettre dans le contexte, on a le cycle d'une femme, c'est 7 jours de Nida. Et 11 jours de Zava. Et on avait expliqué qu'une femme, elle est Zava au bout de 3 Reyot, 3 jours plutôt. Elle est Zava Gdola. Au bout de 3 jours, elle est Zava Gdola. Si elle ne voit qu'un jour ou deux jours, elle est Zava Ktana. Une Zavaklana, elle est Shomeretium, Kelegadium. D'accord? Maintenant, quand tu arrives au 11e jour, ça veut dire qu'en fait c'est le 18e jour quand je reparle depuis le début du cycle. C'est 11 jours du début de Zava. Du début de Zava. Bon. Elle a eu son cycle de Nida, elle a été Nida un petit peu au début, elle a fait ses 7 jours, elle a été au Mikvé, tout s'est bien passé. Maintenant, le 11e jour, elle a vu. Le 11e jour de quoi? Le 11e jour de Ziva. Qui est en fait le 18e jour du cycle total. Le dernier jour du cycle total. Et elle a vu du sang. Alors, quel est le problème quelle est la particularité de ce 11e jour par rapport à si elle avait vu du sang, par exemple, le 8e jour de Zava? C'est que le 11e jour, le lendemain de son 11e jour, si elle continue à avoir du sang, ben en fait, ce sang-là, hein, il redémarre dans une période de Nida. Oui, il redémarre en Nida. Parce que 7 jours de Nida, 11 jours de Zava, et ça redémarre. 7 jours de Nida, 11 jours de Zava. Si on considère, mais peut-être que c'est pas. Ah, c'est toujours 18, 18, 18, 18. Parce que c'est peut-être qu'il n'y a pas des trucs où elle est toujours Tahara. Non, je parle pas d'une femme qui était enceinte, qui était Meuberet et qui est. Non, c'est-à-dire que c'est 7, 11, 7, 11. 7, 11, 7, 11, c'est-à-dire que si jamais. Non, encore une fois, on est d'après la Chita de Rashi, tout le temps, on parle d'après le Rashi dans le Khrin, et c'est comme c'est tout ça qu'on tout le temps explique avec la Chita de Rashi, c'est qu'une femme, elle redevient Nida quand elle voit du sang. C'est-à-dire qu'en fait, si elle a 7 jours. Elle était Nida, après 11 jours elle est Zava, après son nouveau cycle de Nida recommencera lorsqu'elle reverra une prochaine fois. Elle va revoir après 3 mois plus tard. Ah d'accord, c'est pour ça que je vous ai dit. Mais non, mais là on parle d'une femme qui a vu le 11e jour. D'accord. Si elle voit le 12e jour, elle est plus c'est plus dans la Zava, c'est dans la Nida. D'accord. Donc maintenant, la Shela de savoir, la marque de notre Benjamin Ibetil va être de savoir, est-ce que ce 11e jour, vu que le lendemain, c'est déjà le cycle de Nida qui redémarre. Ouais, il n'y a pas de Shomeretium Kenegadium sur ces jours-là. Pourquoi il n'y a pas de Shomeretium Kenegadium? Parce que Shomeretium Kenegadium, c'est quand tu gardes, tu dois vérifier que le lendemain, hein, la femme ne revoit pas du sang. J'ai jamais compris comme ça. Hein. Attends, bah si, tu vois que c'est c'est que normalement, c'est quoi le Shomeretium Kenegadium? C'est qu'on va voir cette femme-là, elle reste sous la Vaktana ou elle devient de Vagdola. Ouais. C'est seulement quand c'est des jours qui peuvent potentiellement. Zavakdola. Donc si elle peut pas être Zavakdola, elle peut pas être Zavaktana, il n'y a pas de Yom Shemeratium. Elle est Tumea le jour où elle a vu Vadal. Non, c'est d'accord. Mais il n'y a pas de Shemeratium Kenegadium, c'est ce qu'ils disent. Et on n'avait pas vu un cas où on avait vu qu'elle était Shemeratium Kenegadium. Donc là, c'est ce qu'on nous dit ici. Aroa Yom Echad Asar, la femme qui voit le 11e jour, Vetavla. Vetavla, la RF, elle est au milieu le soir. Donc la femme du 11e jour. Elle est au milieu le soir parce que de toute façon, elle se dit que le lendemain. Il n'y a pas Shomeretium Kenegadium, donc elle peut déjà aller au milieu. Normalement, cette femme-là, si elle était. Disons que si cette chose-là s'était passée le 8e jour, par exemple. Ou le 9e jour. Elle aurait peut-être oublié le soir même. Donc elle ne va pas oublier le soir même, normalement. Normalement, elle doit Shomeretium Kenegadium, elle doit aller au milieu le lendemain. Ouais. Si elle n'a pas vu. Non, mais même elle peut aller au milieu dès le matin. Non, c'est. On avait toujours. On avait ah oui, et si elle a vu. Qu'elle va au milieu depuis le matin, et si elle passe, qu'elle voit, donc ça. Mais parce que c'est calqué. La diva, elle peut aller au milieu depuis le matin, c'est-à-dire qu'elle ça suffit d'être chômée, hein, mixatayum qui est cool. D'accord. Maintenant, le problème, c'est que le 11e jour, le lendemain, c'est le 12e jour, qui n'est déjà plus un jour de diva, qui est un jour de Nida. Donc, Aroa, Yom, Achad, Asar. Vetavla la RL. Vetavla la RL, et elle se trempe le soir. Veshimshay, donc elle est avec son mari. Donc elle était Tovelette à un moment, hein, qu'en réalité normalement elle n'aurait pas dû être Tovelette. Parce que normalement elle devait être le lendemain d'après. Enfin ça dépend. D'après, là c'est une marque entre Bachama et Bachilel. Est-ce que cette femme-là, ce qu'elle a fait chez Assour, c'est Badaï au moment de Rabbanan. Maintenant, d'après Bachama, c'est Khayav Bechla ce qu'elle a fait. Bachama Obrim, Metam Imishkamu Moshav. Le fait qu'ils aient une relation, ça fait que lui il est Boel Nida, Boel Zava quoi.
Pourquoi il boit les amas? C'est vrai que j'arrive pas à comprendre. Parce que vu que cette femme-là, normalement, elle doit être chômée et tchèque et gagnante, elle va. Ah, pour lui, il pense. Pour lui, pour qu'elle baille chez. D'accord, ok, d'accord. Donc, cette fois, donc, même si elle est au migré, ça change rien. Elle doit pas l'omiver maintenant. Elle doit aller que le lendemain. Et elle doit être chômée et tchèque. Donc, il est boel chômée et tchèque et gagnante. C'est comme si il était boel nida. Et donc, c'est metame mishkavo moshav. D'accord. Vechayavin bekorban. Pourquoi? Parce qu'il était boel chômée et tchèque et gagnante. C'est boel nida. Donc, boel nida, il est chav korban. Bet il est l'ambrim. Peturim il a korban. Il pensait pas. Il y a pas besoin de chimo. Le 11e jour, vu que c'est le dernier jour du cycle, il y a pas besoin de chimo. D'accord. Maintenant, tavla. Ça c'est ça. Donc ça c'est la première marque. Le premier cas. D'accord. Mais attends. C'est-à-dire que. maintenant, par rapport à Touma de Mishkav Moucha, qu'elle dirait que non plus il y a pas. Non. Il est d'accord, Betchal Betilel, que il y a un Touma de Rabbanan. Que on est marmir mais de Rabbanan. C'est Rachid le précise. Je dis que l'Inyan Touma, que Vadaï qu'on est marmir mais de Rabbanan. Et on c'est une xéra qu'on fait le 11e jour à tout, si ça avait été le 8e ou le 9e, ce qu'on appelle tort. Pour pas qu'elle pense que c'est permis tout le temps. Exactement. Maintenant, Tavla Bayam Shelachar. Maintenant, cette femme-là, toujours le même cas. La femme, elle a vu le du sang le 11e jour. Elle est trompée le 12e jour au soir. Non, au matin. Au matin, même. Au matin. Et ça, on a le droit. Ça, a priori, on avait le droit, même si c'était le 9e jour, elle s'est trompée le 10e jour. Maintenant, le problème, c'est qu'elle a été méchamechette après. Mais Shimcha et Beta. Elle a fait le tachmish, donc le 12e jour, en journée. Vachar karata. Et donc finalement, elle a revu du sang qui, entre guillemets, quelque part, il a été au reste le chemin et qui est dégagé, quelque part. D'accord. D'après Beit Shammai. D'après Beit Shammai, exactement. Donc en tout cas, ici, qu'est-ce qu'on nous dit ici? D'après Beit Shammai, Metamim Mishkav Moshe, ou Pturim Mina Korban. Parce que d'après Beit Shammai aussi, il est d'accord que Mina Torah, à partir du moment où il y a eu Miksat Shimur, Miksat Ayom, c'est déjà validé, il y a déjà eu le chemin et qui est dégagé. Ça suffit qu'il y ait eu Miktat Ayom, même si c'est. Mais bah, elle a toi de Mishkav Moshav, c'est des Roraita ou des Rabbanan d'après lui? Des Rabbanan. Ah. Des Rabbanan, c'est ça. Ah, c'est-à-dire qu'on est repassé à Beit Hillel. Beit Shammai, c'est aussi comme le Beit Hillel du cadavre. Non, Beit Shammai, Beit Hillel, Mishkav Moshav, Uptou, Mina Korban, ou Beit Hillel, Amrim, Areze, Gargeran. Bah, d'accord, on avait déjà vu ce que c'est Gargeran. On avait déjà vu dans la Gemara Gargeran. Ça veut dire qu'en réalité, c'est. Il y en a qui disent, on a vu la Gemara, c'est pour un gourmand. Un gourmand, ouais. C'est-à-dire qu'en réalité, normalement, lui, il aurait dû attendre, il ne devrait pas aller avec elle, il devrait attendre que la journée passe. Mais pourquoi c'est lui qui ne lui a pas dit? Peut-être qu'elle ne lui a pas dit. Si, il ne lui a pas dit. Crois, avec Zegargeran, d'après le diable, j'ai l'impression que c'est. On parle dans le cas où ils sont de mèche. Maintenant, Umodim, en tout cas, les deux, ils seraient d'accord. Béroa, Betof, Ludalev, c'est quoi Betof, Ludalev? C'est-à-dire à l'intérieur des 11 jours, ça veut dire qu'elle a eu par exemple le 7e jour, le 5e jour, le 4e jour. D'accord. Des Yemeziva. Et que. Elle est. Tavla la Erev. Ouais. D'accord. Veshimcha. Shemetam im Mishkav Moshav. Vechayavim be Korban. Tout le monde est d'accord. Que si jamais elle s'est trempée. Le soir. Alors que normalement elle était chez la Turquie des Gadjans, cette femme-là. Tout le monde est d'accord que cette femme-là, cette vie-là, elle vaut rien du tout. Et que si elle va avec son mari, elle est. Chayevet Korban. Ouais. C'est bon, va bah. Ouais. J'écoute, t'inquiète pas, c'est juste que. Ah. Umodim, Berat, Beroa, Betoch Yudalefium, Vetavla la Erev, donc elle est au Migve le soir. Veshimcha, Shemetam in Mishkav Moshav, Vechayavin Bekorban. Ouais. C'est-à-dire que c'est Minatora. C'est-à-dire que Minatora, normalement, la Shemiratium qui est médium, elle doit aller au Migve le lendemain, elle ne peut pas aller au Migve le soir, le Migve qu'elle était le soir, il vaut rien. Non, Tavla Bayam, Shelachara Veshimcha, arrivé Tarboutra, c'est Tarboutra. Alors Tarboutra, c'est plus que le Gargaran. Là, c'est carrément un Safek Issour. Parce que si cette femme-là, le lendemain, elle voit du sang, même si elle a été au Migvé le matin, bah finalement, ça va être. Mais calquel ce Migvé-là, et ça veut dire que ce jour-là, il n'est pas. C'était pas un jour de Shimour, et donc. D'accord, mais ça veut dire qu'est-ce que tu penses, puisque c'est toujours des Rabanan, même au milieu. Après les Non, dans ce cas-là, ce serait pas des Rabanan. On ne sait pas en fait, il ne dit pas. C'est pas marqué, mais dans Rashi, c'est marqué que c'est Midoraita. C'est-à-dire que c'est Midoraita en réalité, c'est, ouais, alors, c'est la différence Tarboutra, c'est-à-dire qu'en réalité, une femme. Pourquoi tu me dis Tarboutra? Tu me dis pas que c'est comme l'autre. Et même c'est l'autre, c'est encore différent. Pourquoi tu me dis Tarboutra quand c'est dans la journée, tu me dis pas Tarboutra? Et pourquoi tu me dis pas Tarboutra même pour le soir, déjà de base? Non, le soir, c'est Vadaï que c'est. Que elle, même si. J'ai l'impression que Le soir, c'est Vadaï
C'est Vadai que. Alors, c'est ce que je suis en train de dire. Quelle est la différence? Tu dis que c'est Deoraita. Si elle se trompe le soir, c'est Vadai que c'est pas bon. Même si. Mais là aussi, c'est Vadai que c'est pas bon. Non, pas du tout. C'est pas Vadai que c'est pas bon. Ici, si jamais toute la journée elle voit rien, elle est en règle. Encore une fois, cette femme-là, elle a vu le cinquième jour de sa ziva. Ah, elle tu a veux vu... dire que le soir même. Non, le soir même, elle a été au Mikvé. Même si elle ne voit rien. Elle ne voit rien le lendemain pendant 10 jours. Alors que là, si elle voit rien. Si elle voit rien, c'est bon. Là, on est dans un matzav où on est tollé. Ce qu'on appelle on est plouine. C'est-à-dire qu'on est dans un matzav où on attend. On est en attente de savoir ce qui va se passer dans la journée. Donc c'est pour ça que tu arboutras parce que c'est un grand danger. Si jamais elle voit du sang, c'est Ores, c'est son Mikvé. Donc ce qui fait qu'il y aura un Khiouf Korban. Et toutes les tarots qu'elle aura touchées, on devra les brûler. D'accord, t'as donc ça, c'est les règles, les Mishnayot, enfin, on a vu la marque entre Béchamah et Beit Hillel, et dans quel cas ils sont en accord. Maintenant, nous dit la Gemara, on va prendre la Braïta, elle va nous rapporter la même discussion, et on va voir la discussion qui est entre Béchamah et Beit Hillel. Véchavin, t'as dit Rabbanan, Véchavin, les deux ils sont d'accord, on avait dit dans la Mishnah aussi, Betovelet ba Laila les Zava, que le fait de se tremper au Mikvé la nuit pour une Zava, chez Nadvila. D'accord, c'est la même chose. Ça, on a dit que c'est pas une bonne villa, quoi qu'il arrive, on peut pas se tromper la nuit là. Mais Chavin Beroua. Mais Chavin Beroua, mais Torchud Alef, Yom, Vetavla la Erev et Shimcha, Shemetama, mais je donne Moshal et Chavim Bekorban. Donc c'est un petit peu la même chose que je viens de dire là. C'est que si Vada avec une femme, Betorchud Alef. Ah, Betorchud Alef. Betorchud Alef. Donc c'est-à-dire le 7ème, 6ème. Chavim Beroua. Ah, exactement. Et qu'elle, et qu'elle se trempe le soir, et qu'elle arrive avec son mari. Même si le lendemain elle voit pas de sang. Elle est mettant un mishkav au moshav et chavim le korban, ça vaut rien ce mikvé là. C'est quoi la marque de trouver chez Maïbitiel? L'onir le coup est là, Beyom Yudalef. Pas dans les torches Yudalef, mais Beyom Yudalef. Chez Betchama Yomri. Beyom Yudalef, je suis Betchama Yomri, mettant un mishkav au moshav et chavim le korban. Lui dit que ce jour-là il a besoin d'un mishkav. Betchama Petrim. Betchama Yomri. Potrim Korban. Par contre, pour la Touma, on avait dit que c'était Midarabana. D'accord. Ou le Ren, c'est Rachel qui dit ça. Ouais. C'est clair ici, on voit clairement ici. Non, en tout cas, l'agma te dit, Amrou la haine, Betchama et Betchilel. Betchama dit à Betchilel, Maïchena, Yom Yudalef, Miyom, Toch Yudalef. D'accord, c'est quoi la différence? C'est quoi la différence entre, d'après Betchama, il dit, d'accord, il sur Toch Yudalef. Donc pourquoi tu fais une différence entre quand c'est le jour du 11e ou alors quand c'est un jour à l'intérieur des 11 jours, ça veut dire par exemple le 7, 8, 9, 10, etc. Alors, Im Shivalo le Touma. Loïs velo les korban. Si tu es d'accord que par rapport à Touma, donc tu vois, c'est là où on voit que Rachid a raison. Ouais. Si tu es d'accord avec moi que finalement il y a une Touma autant quand c'est le 11e jour que quand c'est le jour du milieu. C'est des rabanan. C'est des rabanan. Et il a d'après. Là aussi même d'après. Après Betchomai c'est un peu Doraita. Doraita mais après il est d'accord. Okay, donc, c'est peut-être pour ça. Hein. En tout cas, il lui dit, tu es d'accord avec moi qu'il y a une Touma le 11. Quand elle voit, il y a une Riya le 11e jour, tu es d'accord qu'il y a une Touma. D'accord, tu me dis qu'il n'y a pas de Korban. Mais tu es d'accord qu'il y a une Touma. Pourquoi tu ne pas de Korban? Donc, si tu es d'accord qu'il y a une Touma, il devrait y avoir un Korban. Il lui a dit, il y a un problème, il y a un Betchamay. Non, il m'a menti à Betokhud Alefiam, chez Kenyam, chez Lachrav, Mistaref, Imoleziva. Quand c'est à l'intérieur des 11 jours, bah, le lendemain, tu peux le continuer. C'est-à-dire que si elle voit du sang, bah, ça va lui compléter le nombre de mispar de Yamim pour la rendre Zavak de là. Tomru Beyam Yudalef chez Enyam Shilachrav Ministaref Imo Leziva. Dans quand c'est le Yudalef, le lendemain il est plus Mistar de Ziva parce que le lendemain c'est un nouveau cycle de Nida. Moula Betchamay, Ishmu Midotechem. Il faut que vous soyez cohérent. Ishmu Midotechem veut dire que soyez cohérent. Ouais, c'est. Soyez parti. Im Shiva Alo le Touma. Ishvalo le Korban. Mais moi Ishvalo le Korban, moi Ishvalo le Touma. Ça doit aller de pair en moment. Ouais, Betchama, ils lui ont dit non, pas du tout. Moi, ce que je dis que c'est la Touma, c'est un dérabalin, c'est une Khumba que je donne. Alors, de dire que c'est un Korban, c'est ça que je veux te dire. C'est une Koula de dire que c'est un Korban, parce que si jamais elle n'est pas vraiment Minatora Khayevet, comme un Korban de la Khulin Nazara, c'est une Koula. Un Brouhaim Betchilel, il m'est venu, il est Touma, les Akhmir. L'on a vu les Korban laquelle. On va pas mettre le Korban dans un Korban, c'est une Koula, parce que dans un Khulin Nazara, on va pas vendre un Khulin Nazara. Véod, en plus, midi vrechem atem nocherim. Tu te mords toi-même avec ton argument. Pourquoi? Qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu es en train de me dire que la Touma et le Korban, ça doit aller de pair? Je dis, mais attends. J'attends, Omrim, Tavla, Yom Shelachar. Toi, tu me dis que quand elle se trempe le lendemain, donc elle s'est trempée le 12,
au matin, le Shimsha, la Kharka Raata, et après elle a vu le sang, tu me dis, comme Metana Mishkavu Mosha, donc il y a Natuma, ou Toura Mina Korban. Hop là, on reste tout en fait. Avatam, je vous mets de terre. Donc Avatam, tu me dis, pas Toumina, tu dis y'a Natuma, mais pas Korban. Avatam, je vous mets de terre, im Shivolo le Touma, je vole le Korban, im Shivolo le Korban, l'eau, je vole le Touma. Et là, l'armir, voilà, la tête, également que là-bas, pourquoi tu me dis qu'il y a tout le monde ? Parce que c'est une des rabanan. Mais pas pour nous dire qu'il y a un riv korban. Akhanami, l'armir, voilà, la tête. Très bien. Ça, c'est la Braïta qui nous montre la discussion entre Bachamay et Bethiel. Maintenant, on va dire avec l'intime de Ravuna, qui, a priori, on va voir que c'est difficile de voir comment il est misté avec notre Mishnah, mais on va s'arranger. Amar Ravuna. Mishkava ou Moshava Shebacheni. Alors. Si jamais une femme, elle voit le deuxième, enfin, le Mishkav et le Moshav, c'est-à-dire la Tum'a, chez Bacheni, du deuxième jour. C'est quoi le deuxième jour? Deuxième Riyah. Là, c'est-à-dire qu'elle, le deuxième jour de sa Riyah, c'est-à-dire qu'en réalité, elle a vu une Riyah, elle, le 11. Ouais. Et maintenant, on a dit que le lendemain, il y a un Mishkav ou Moshav. On nous dit Ravuna, que le Mishkav ou Moshav, chez Bacheni, donc le deuxième jour de sa Riyah, donc d'après Beth Shammai, Metamim Afalpiche Tavla, Afalpiche Loraata. D'après Beth Shammai, nous dit Ravuna, cette femme-là, quand le 12e jour, si elle va avec son mari, ou enfin, on ne peut même pas qu'ils sont allés avec son mari, Stam, le fait d'être Metamim jusqu'à. Oh. C'est la vieille ? Ouais. C'était tout sec. Ah, je ne peux pas. Alors, je te remets dans le contexte. Donc là, on vient de dire dans la Mishnah. Cette Mishnah là. Après la Mishnah, non, on était là. À Royaume Israël, on parle de ça. Donc je te remets dans le contexte. On sait très bien qu'une femme qui voit. Normalement, on sait que c'est 7 jours de Nida et 11 jours de Zava. Okay. Maintenant, une femme qui voit pendant la période de Zava, une fois, elle est Zavoktana, elle est Shemeretion, qui est Gedium. Ok. Deux fois, jours, pareil. Et trois jours, elle devient Zavakdola et Shivanekim. Maintenant, si la femme, elle voit le 11e jour, qui est le dernier jour de la Zava. Et qu'elle a rentré dans Nida. Donc, et que donc, ce jour-là, il y a une marque locale entre Bachelor et Bachelor, est-ce que ce jour-là, il y a besoin de faire une Shomer Hachem Kedegadium ou pas? Parce qu'à partir du moment où le 12e jour, c'est déjà le premier jour du nouveau cycle de Nida. Sur 7 jours, quoi qu'il arrive. Non, pour le sur 7 jours. Si. Non, c'est fini. T'es plus en période d'Iva. Oui, mais t'es parti pour 7 jours. Si jamais il voit le 12e jour, c'est une Réa de Nida qui va lui enchaîner un nouveau Nida pendant 7 jours. Martin. Mais le problème, c'est que si elle n'a pas vu, elle n'a pas le 12e jour, ça, mais elle a vu le 11e jour. Okay. J'ai pas compris ce que tu viens de dire là, pour l'histoire. Bah, si jamais elle voit le 11e jour, elle voit le 12e jour. Elle est partie pour 7 le jours. Le 12e jour, c'est une première Nida. C'est Nida, donc c'est ah oui, mais 7 jours. Dans 7 jours, elle est partie. Mais pas en 7 jours. T'as raison. Maintenant, je suis dans un cas où elle n'a pas vu le 12e jour. Elle a vu le 11e jour. Elle a vu le 11e jour. D'accord. Est-ce que. Juste un jour. Donc normalement, si elle avait vu le 10e jour, le 9e jour, le 8e jour. Je me la tiens qu'il y a des gens, le lendemain elle attend, elle se trompe au milieu le matin. Si elle avait vu 10 et 11, c'est le même problème. Hein. Alors pour le 10, oui. On va en parler juste après. Bah oui. Le 10 et 11, on revient. Oui. Le 10, on va en parler juste après. Ça va être déjà qu'on dit ça. Non, on va parler si elle voit 10 et 11. C'est de savoir si elle change de. Quand elle change de. Comment on fait si elle change de situation. Voilà. Maintenant, le problème c'est qu'elle n'a pas vu. Je ne suis pas en train de parler d'une femme qui a vu le 11 et le 12. Elle a vu que le 11. Marlotel Robatima et Bethilel, est-ce que cette femme-là, il y a une alakha qui sera Shomeret le 12, Betahara, Shomeret Shokhegan, alors que le 12 en fait c'est déjà de la Nida, si jamais elle avait vu, elle voyait du sang ce jour-là. Est-ce qu'il y a une arignam de garder ce 12e jour ou pas? D'après Bethilel, pas besoin de garder ce 12e jour-là, d'après Bethilel, il y a besoin de se garder ce jour-là. Et la Nafkamina, ce que la Mishnah nous a dit, c'est que si jamais cette femme-là, elle va au Mikvé le soir du 11, est-ce qu'elle a regardé un jour en plus? Non, elle n'a pas gardé un jour. Elle a vu le 11. Ouais. Donc, disons, mardi, elle a vu, c'est le 11e jour, son 11e jour. Mardi soir, elle va au Mikvé. Normalement, elle peut pas. Une femme, si jamais elle les avant même de un jour, elle doit aller au Mikvé le lendemain. Oui. Matin. Elle peut pas aller le soir au Mikvé. D'après Beth Hillel, si jamais elle va au Mikvé, normalement, elle ne devrait pas faire ça. Il y a un issue de Rabbanan. Mais si elle va au Mikvé, il n'y a pas de Khriv Korban. Attends, c'est-à-dire que son Mikvé, il a quand même rendu de Théora. Puisqu'il n'y a pas de chemin à terme qui dégage pour une femme qui voit le 11e jour. Alors quoi? Pourquoi tu veux qu'elle aille au Mikvé cette femme? Bah, elle doit aller au Mikvé parce qu'elle est quand même une mère. D'accord, alors elle va au Mikvé mais elle n'attend pas un jour. Elle attend pas un jour, direct elle peut aller au Mikvé. Parce que c'est le 11e jour. Direct elle va au Mikvé et elle parce est que c'est le 11e jour. Parce que c'est le 11e jour. Parce que si c'était le 8e, elle aurait fait le 11e jour. Elle aurait attendu sur le Mikvé. Normalement, Minatora, elle aurait attendu le 9. Le 9, elle va au Mikvé le 9 au matin. Le 9 au matin Le 9 au matin peut-elle aller au Mikvé.
Et attends, on voit que le 9 il se passe bien, et après le temps elle peut aller chez moi. Quel intérêt d'aller au mikvé si ça se passe mal le lendemain? Non, aucun intérêt, mais elle peut. En réalité, parce que Minatora, quand on a été Minatora, à partir du moment où tu chômais un Mixatayom, qui est cool, donc okay. On va dire que le soir elle pouvait pas. Il a pas elle, non, mais même Minatora, normalement, Minatora, même si elle voit par la suite. Mais aujourd'hui, il y a des permissions pour le jour. C'est très rare, mais il y a des permissions. Oui, le Shabbat, c'est bon. Alors, maintenant, le truc, c'est. C'est ce qu'on a vu dans la Mishnah. Maintenant, là, on a juste vu une discussion entre Betchamay et Betilel dans la Gemara et la Braïta, qui est l'argument de l'un, l'argument de l'autre. Maintenant, on est au petit point, je ne sais pas si tu as un petit point, toi. Okay. Quel serait le problème de garder un jour alors que tu es rentré dans l'Ida? C'est plus intelligent. Parce que tu n'es pas obligé. Pourquoi Betchamay, tu peux? Pour Betchamay, comme tu peux pas. Pourquoi Betchamay dit qu'il n'y a pas besoin de faire de Shemarajam? Parce que. T'arrives pas à. C'est quoi l'idée de Shemar Hashem qui est gagnante? C'est que j'attends et je vérifie si peut-être que cette femme-là, elle va pas être Zava Bat Yom Echad, mais Zava Bat Shtei Yamim. Cette femme-là, elle sera jamais Zava Bat Shtei Yamim. Puisque l'ancien, c'est le Nida le lendemain. Donc, coûte que coûte, si je vois du sang le lendemain, je pars dans Nida. Je pars dans Nida. Okay, donc, il n'y a pas de Shemar Hashem. D'après Bet Shammai, ici, si. on vérifie. Cette femme-là, elle a vu un jour pendant. Elle est Zava Bat Yom Echad. Zava Bat Yom Echad, j'ai une Alakha, c'est qu'elle l'attend un jour. L'homme échané, si c'est déjà deux ans, c'est pas une. Voilà, c'est comme ça, c'est que Zava, elle l'attend un jour. Okay. C'est quoi ce qu'on dit. Maintenant, on en est à Maravuna. À Maravuna, on en est ici. D'accord, Maravuna. À Maravuna. Mishkava ou Moshava, chez Bacheni. Alors, on parle de quoi ici? Le Mishkav ou Moshava, encore une fois, parce qu'on a vu qu'il y avait une différence entre la Touma et le Korban. C'est-à-dire qu'en fait, c'est quoi la Touma? C'est-à-dire qu'une femme, cette femme-là, elle est Tmea, Midera Banan. Dans la plupart des cas, tout le monde est d'accord qu'elle est Tmea. Même Beth Hillel qui dit que la femme, le 12e jour, elle n'est pas. Normalement, elle n'est pas, elle n'est pas Tmea, Minatora, mais Midera Banan, elle est Tmea. Et Touma Midera Banan, Elle rentamait, mais c'est que Midera Banan. Non, la différence, la vraie différence entre Beth Shammai et Beth Hillel, c'est par rapport au Corban si jamais elle va avec son mari. D'après Beth Shammai, vu que cette femme-là, elle doit attendre le lendemain, si elle va avec son mari, bah, les Chayav et Corban, c'est ce qu'on appelle boel, c'est comme une boel nida, quoi. C'est comme si elle avait été boel et Shomeret Shom qui est dégagé. Que le soir, pas le lendemain. Que le soir. Et d'après Beth Hillel, non, il n'y a aucun problème. Cette femme-là, elle n'a pas de Shomeret Shom qui est dégagé. Il n'y a pas de Corban. Maintenant, il vient Ravuna et te dit Mishkava ou Moshava chez Bacheni. Donc, la Touma de Mishkava ou Moshav, donc cette Shemarachan Kelegadium, qui a vu le 11e jour. Maintenant, le 12e jour, en réalité, on a dit que c'est Tamé Midera Banan. Nous dit Ravuna que le Mishkava ou Moshav, le 2e jour, sur lequel on a dit que c'était Tamé Midera Banan, d'après Beth Shammai, Metamim a fallu picher Tavla. Il avait dit que c'était Midoreta. D'accord. C'est comme notre Mishnah. Il te dit que maintenant, que même si elle a été au milieu de cette femme-là, et même si elle n'a pas vu son pendant toute la journée du 12, elle est métamée Mishkav Moshav, je dirais vous non. D'accord. Alors maintenant, Avalpish Tabla, Avalpish Dorata, Maitama, Kevani Uchazia Metama, Ashtanami Metamia. Pour quelle raison elle est métamée Midorabana? Parce que à partir du moment où si elle voyait du sang cette journée du 12, ben elle est Tmea. Alors aussi, même si elle n'a pas vu de sang, on l'a rentamé Midera Banan. Ok? Maintenant, alors là, moi, va expliquer un petit peu le parole de Ravuna, parce que finalement, on voit que c'est pas. Il y a un petit problème dans le parole de Ravuna. Alors, moi, je te dis quoi? Amar Yosef, Maïka Mashmala, qu'est-ce qu'il veut nous apprendre, Ravuna? A priori, ça revient au même prix de douche qu'on a dit dans la Mishnah. Tanina, Tavla Yom Shilea. Ah non, parce que là, il a parlé que même s'il n'y a pas eu de sang, il n'y a rien eu, il y a un problème. Chazak, bon, c'est exactement ce que je m'en vais répondre. Il y a marqué dans la Mishnah, Tavla Yom Shilea Harav. On a dit clairement dans la Mishnah que si jamais elle s'est trempée le lendemain, Veshimcha est allée avec son mari, Veshimcha est bêta, Vechakarata, Betchama Yom Rim, Metam Amishkavot ou Moshavot, ou tu auras mis la Korban. Betchama, ils ont dit clairement qu'il y a une Touma, mais juste, il n'y a pas de Korban. Alors, c'est exactement ce qu'il y a marqué dans la Mishnah, en théorie. Marav Kana, la réponse que tu as donné toi à Cher, Ra'ata Shane. C'est différent parce que là-bas, dans le cas de notre Mishnah, on parle d'une femme qui a vu. Tandis que là, Ravuna parle d'une femme que même si elle n'a pas vu, ça rend entamé le Mishkav Moshav. Donc encore une fois, on parle d'une femme.
Pourquoi elle a pas vu? C'est qui celle-là qui a pas vu? Ravuna est pas du temps qui n'a pas vu. C'est-à-dire qu'en réalité, elle a vu le 11e jour. Maintenant, le 12e jour, qui est déjà dans le nouveau cycle. Mais en tout cas, elle, cette femme-là, elle s'est trompée au matin. Donc, cette vie-là, en réalité, Minator, elle est mouille, elle est valable, quoi qu'il arrive. Parce que même si ça avait été en plein milieu du cycle de Ziva, hein, et qu'elle avait vu, par exemple, le 6e jour, ou le 7e jour, ou le 8e jour, elle avait vu un jour, elle aurait été chemarette le matin, elle aurait pu aller au Miguel le matin, et Minator, elle est déjà Théora. Si elle voit pas. Même si elle voit, Minator, ce Miguel a été valide, il lui a déjà boucler l'histoire de Shemachem Kaïdé. Si elle voit, elle doit repartir pour un autre jour en plus. Elle doit repartir pour un autre jour en plus, mais c'est le fait qu'elle aille au Migvé avec la lacha de Mixatem Kekulo, en réalité, Minator est déjà Théora. Mais si elle a vu après. Même si elle voit après. C'est un rideau, je suis d'accord avec toi. C'est, même si elle voit après. Non, c'est vrai. Ça veut dire que. Comment ça commence à comprendre avant? Je comprends pas. Ça veut dire que. Elle doit avoir un truc qui. Non, pas compliqué. Pas avec ça, mais en réalité, c'est ça le truc. C'est que même si cette femme-là, elle a été. Elle a vu un jour. Et le lendemain, elle va au Mikvé. Mixatam Kekulo, c'est comme si elle avait été chemin de Kolayam. Elle a été vue, Nigma et Tora. Elle va avec son mari. Minatora, il n'y a pas de problème. 2-3 heures après, elle revoit du sang. Elle redevient Tmea. Mais ça n'a pas abîmé et ça n'a pas été Mechaev les mafrés le mari. Elle peut plus aller avec son mari. Non, un peu plus, voilà. D'accord, donc moi j'ai pas compris. Quoi. Donc si elle se trompe, d'accord, et qu'elle a vu, elle peut pas aller avec son mari. C'est ça que je veux dire. Ah non, ça va d'accord, non. D'accord, très bien, ok. C'est rétroactivement. Rétroactivement, il a droit, on dit pas que ça va lui impacter. Exactement. Maintenant, ça aussi c'est un chidouche. Mais bon, en tout cas. Le yin ici qu'on est en train de dire, c'est que cette femme-là, si elle voit le 12e jour, c'est de ça que la Mishnah nous parle. Donc là, il y a un certain chidouche. Alors vous avez bien vu dire un plus grand chidouche que même cette femme-là, elle n'a pas du tout vu de sang pendant toute la journée du 12e jour, okay. Malgré tout, Midrabanan n'est métamé sur Mishkav ou Moshav, le 12e jour. Le 12e jour, cette femme-là, elle est même Midrabanan. Elle ne parle plus du mari. Bon, plus du mari, on dit qu'on est métal. Le mari, c'est sûr que c'est pas tout, il n'y a pas de problème. Maintenant, il y a un tout mal, des rabanan sur le Mishkav Moshav de cette femme. D'accord. C'est ça le chidouche de Ravuna. On nous dit la Gemara. Mais là, on est d'accord qu'elle l'a vu, elle est dans son cycle de Nida. Donc elle voit, elle est dans son cycle de Nida, exactement. Mais là, on parle d'une femme qui n'a pas vu. Ravuna, il a parlé d'une femme qui n'a pas vu. Okay. Et même si elle n'a pas vu, elle est métamée, mis des rabanan, le Mishkav Moshav. Même si elle n'a pas vu du tout. Elle a été au Mikvé, elle n'a pas vu, elle est. Alors, okay. En réalité, normalement, elle est Théora, il n'y a aucune raison pour lui dire qu'elle est mère, okay. On est Métamimi Derabanan. Okay. Maintenant, on nous dit Amar Rav Yosef, nous dit Vechira Atama Yahvé, qu'est-ce que ça nous fait qu'elle ait vu? Non, cette Reïa-là, c'est pas une Reïa de Zara. Puisque si elle voit, toi tu m'as dit que dans notre Mishnah, il nous a parlé d'un cas où elle est Raata, donc il y a pas tel. Le Ravuna, il a dit un plus grand chidouche, puisqu'il a parlé même d'un cas où l'Oraata, alors que la Mishnah, elle avait parlé que d'un cas où Raata. Alors qu'elle voit, il dit, mais je comprends pas. Qu'elle ait vu, qu'elle ait pas vu, en réalité, ça change rien par rapport à la Zava. Puisque cette Réia-là, c'est un nouveau type de Nida. C'est indépendant de la Shumayatium Kelegajium. C'est-à-dire, par rapport à la Zava, ça n'a rien à voir avec le type de la Zava. Alors, ce qu'elle me demande, elle me dit, Marbese de Chibrada et Mayave, Réia de Nida, c'est une Réia de Nida. Marle Abaye et Rav Yosef, Rav Kana, Achika Kachel. Bishlama et Khaderata. En réalité, quand il dit Rav Kana, son problème, il est le suivant. Bishlama echaderata gazrinan reya denida atureya dezava. Je comprends bien quand elle a vu. Si jamais la femme elle a vu le 12e jour, alors là je peux très bien comprendre que tu vas me dire que cette reya, vu que si ça avait été le en le 8e jour par exemple, ben, cette reya là, ça aurait été une reya de ziva. Ouais. Donc là, je peux comprendre que j'interdise des rabanan, même si au final c'est juste une Réa de Nida qui n'a plus rien à voir avec la Ziva d'avant. Donc il y a une confusion qui est très facile à avoir, donc j'interdis des rabanan. Donc là, je peux comprendre. Par contre, quand elle ne voit pas. Hein, mais de toute façon, si elle voit. Hein, si elle voit. C'est comme une. C'est du sang de Nida. Donc, c'est du sang de Nida, banal. C'est la même conséquence à l'Afrique. Non. Parce que.
Oui, c'est la même chose. Le... Bah, Dyke, c'est une conséquence anatrique qu'elle devient TMA sur place maintenant. Même le, sur la. Oui, mais le problème. Oui, mais ce que je veux dire par là, c'est que nous, l'union de Chomerichon qui est dégagé, encore une fois, c'est comme ce qu'on avait dit, c'est que c'est de, la femme, elle doit voir si sa ziva continue. C'est ça l'histoire de Chomerichon qui est dégagé. Okay. C'est qu'elle doit être Chomerette pour voir est-ce que sa ziva, elle a continué ou pas. D'accord. Là, sa ziva, c'est sûr qu'elle continue pas quoi qu'il arrive. Parce que même si elle a du sang, c'est du sang de Lida. Donc, a priori, ce Rahata là, il n'a aucun impact sur la continuité de sa ziva. Oui. D'accord, d'accord. Maintenant, on te dit, donc pourquoi tu me dis que le fait qu'elle est Rahata Bime Nida, ça va être une raison de comprendre qu'on va être Metamimi Derabanan. On m'a dit si, parce que finalement, cette Ria, ça avait été en plein milieu du cycle de Zaba, ça aurait été une continuation de Ziva. Oui. Donc j'interdis aussi Midera Banal, cette femme-là, cette. Pour te garder une cohérence, quoi. Justement, pour que. Parce que ça peut prêter des confusions. D'accord, mais c'est pas le cas, c'est pas du tout. Si tu me dis que toute l'idée de garder un jour, c'est pour voir comment elle va évoluer dans Ziva, et que t'es sûr de façon qu'elle va jouer un cycle et qu'elle n'évoluera pas dans Ziva, donc ça n'a aucun intérêt. Il n'y a aucun intérêt si tu veux. Si c'est ça l'intérêt, si tu veux. Le Minatora, c'est vrai que le Minatora, d'après Mathilde, on a dit qu'il n'y a rien à garder, il n'y a pas de problème. Mais au final, une personne qui voit une femme qui a eu une Réa de Ziva, le lendemain, si elle a une deuxième Réa, bah, ça pose un problème. On peut comprendre qu'il y a une embrouille qui peut avoir une embrouille, même si c'est vrai que dans le cas présent, effectivement, il y a un ami, c'est déjà plus de la Ziva, c'est maintenant de la Nida. Mais c'est à peu près la confusion. Donc là, on essaie juste d'expliquer de comprendre pourquoi il y a lieu de faire une Xéra. Donc maintenant, on veut comprendre pourquoi, quand la femme, elle voit le 12e jour, ben, tu sais quoi, c'est une raison supplémentaire pour dire que cette femme-là, elle va te mettre à des rabananes. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est une raison supplémentaire. Alors, c'est vrai que tu as raison que Emet, cette Ria-là n'a plus rien à voir avec la Ziva, et c'est complètement indépendant. C'est pour ça, ok, mais de toute façon, si elle voit du sang même dans Nida, de toute façon, il va avoir les mêmes Krumrod que Ziva, non? Si elle a vu dans Ziva. Non, mais oui, non. Ce que je veux dire. Là, la conséquence, c'est encore une fois pour le Lema frère dans la Touma. Pour le Lema frère, c'est-à-dire qu'en fait, encore une fois, cette femme-là, elle l'a vue le 11e jour, elle attend le 12e jour, elle a été au Mikvé le matin, et après, elle a touché une Touma. D'accord, on fait le cas. Elle a vu le 11e jour. Le 11e jour. Donc, elle est là-bas dans le jour, premier jour de Ziva. Maintenant, le 12e jour, au matin, elle va au Mikvé. Donc, c'est là, elle est dans Nida. Elle est dans Nida. Oui. Elle ne voit plus la puissance, elle est propre, okay. Là maintenant. Elle est propre, elle va au Mikvé le matin. Elle va, elle prend un petit truc de trauma, elle le touche. D'accord. D'accord. Donc ce truc-là, on lui dit, gros point d'interrogation sur ce que tu viens de faire. Est-ce que tu as le droit de toucher ce trauma-là ou pas? On ne sait pas. Okay. Maintenant, après, quelques jours plus tard, elle revoit du sang. Et marqué dans notre Mishnah, met des rabananes, mais mettre même la trauma qu'elle avait touchée avant à la poubelle. Enfin, tonise. Enfin, c'est un dit des rabananes. Okay. Parce que sur film des rabananes. Donc, oui, c'est tonise, tu vois. En général, des rabananes, Pauline, c'est bien qu'il y a des fois du surfing des rabananes, mais bon, là je sais pas, là, c'est pas marqué que le surfing, c'est un sintouma des rabananes. Sintouma des rabananes. En tout cas, sintouma des rabananes. Maintenant, là, on parle d'un cas où la femme, elle l'a vu. On avait dit, mais cette Réa là, c'est une Réa de Nida, elle a rien à voir. Pourquoi tu veux faire une Xéra parce qu'elle l'a vu? On dit non, parce que si ça avait été en plein milieu du cycle de Ziva, sa deuxième Réa, ça aurait été une suite de Ziva. Donc, l'habitude, c'est pas l'habitude, si tu veux, c'est une Xéra, c'est un crochage. Mais non, au final, on est en train de dire encore plus, Ravoulin est en train de dire encore plus. Il est en train de dire que même si cette femme-là n'a pas vu de sang, okay, du tout, on interdit quand même, okay. On entame. Donc, oui, là, il amène un corban. Elle amène un corban. Non. Si elle a pas vu de sang, elle ramène un corban, il dit Ravoulin. Si elle a pas vu de sang, elle ramène un corban, il dit Ravoulin. Mais non, pas du tout. Mais Sherba, vous savez, je vais chez Betcham, il m'a mis ma valpichi, la valpichi, l'orata, maïtava. Mais non, la femme, elle a pas vu le corban. Il n'y a personne qui dit qu'elle n'a pas vu le corban ici. Elle est nickel, la femme. Minatora, elle est nickel. Elle a fait la vie le matin. Même si elle était en plein milieu du cycle, elle n'aurait pas porté un corban. Je vais un peu sur le truc. Parce que si elle a vu du. Le problème, c'est qu'elle n'a pas vu là. Si elle a vu même dans Nida, on va l'interdire. Encore une fois, là, je parle pour le avant d'avoir vu. Ce qu'elle a touché avant d'avoir vu. Oui, donc ce qu'elle a après d'avoir vu, c'est Vada, il y a oui, pas de chien. Mais si elle a vu, c'est comme au début de la première Mishnayot. Si elle a vu, ben on voit soit sur les 24 heures, soit sur la serre de manière virée. Ah, le Jindarban des 24 heures. Donc c'est la même chose. Disons qu'une femme qui a enlevé cette cavoie, qui n'a pas de 24 heures. Ok. Ok, il y a un truc. C'est complication. Parce que sinon, c'est la même. Sinon, il y a les 24 heures, ouais. J'ai pas été mis à la par rapport aux 24 heures, mais disons une femme qui a enlevé cette cavoie, qui n'a pas la race 24 heures.
ou d'après Shama, ou d'après okay, Gom Shama. Ok. D'accord, on en qu'est-ce que dit Agma. L'Agma te dit. Où j'en suis. Et la Kabe aura ta manique d'eau. Véod. Alors. Non, mais c'est vrai que c'est le fou, c'est que même si elle a pas vu, on va lui. Maintenant, si elle a pas vu, on va la bloquer. C'est ça maintenant. C'est elle n'a pas vu, exactement. Elle n'a pas vu, on dit qu'il y a une Toumad Rabbanan. C'est ce qu'il y a à Jérusalem. Maintenant, on veut réellement ce que l'Agma pose une première question. Elle dit, premièrement, Ra'ata, c'est différent. Comment Ravuna, toi, tu peux maintenant élargir la Mishnah et dire que même quand l'on Ra'ata, Ra'ata, c'est différent. Okay. Et en plus, Ve'od, Tna, il y a marqué dans la Mishnah. Il y a marqué quoi dans la Mishnah dans Masechet Zavin? Première Mishnah de Masechet Zavin. Aroa Riya Achat Shelzov. Aroé, Roé, il faut dire. Aroé. Un homme qui voit une Riya de Zov. Alors là, regardez, parce que là, en fait, de la comparaison dans la Mishnah, on va essayer d'apprendre une lacha pour nous. Regardez ce qu'on va faire là. Aroé Riya Achat Shelzov, on parle d'un homme maintenant. Un homme qui voit une Riya de Zov. Donc tu te rappelles, l'homme c'est quoi? L'homme c'est pas des Yamim, c'est des Riyot. C'est des Riyot. D'accord? Riya Achat. C'est-à-dire que la femme, elle est obligée de voir lundi, mardi, mercredi. L'homme, c'est quoi? C'est quoi lundi et trois écoulements? Il est déjà la vagadol. Ok. Aroé Riya Achat Shelzov, un homme qui voit une Riya. Bechama Yamrim, Keshomer et Chom Kenegadium. Il dit qu'un type qui a vu une Riya, il est comme une Shomer et Chom Kenegadium. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que le deuxième. De la même façon que la Shomer et Chom Kenegadium, le deuxième jour, on attend un petit peu, on voit ce qui se passe, le milieu, etc. Pareil, celui qui a vu une Riya, il est en statut intermédiaire, Taloui, quoi. Taloui Vomer. Tandis que d'après Beth Hillel, Omer, Kebal Keri. Il dit comment Bal Keri? Il est. Ah, mais Omer, d'accord. Mathilde Lombrim, Kebal Keri, donc c'est comme un Bakri, donc il est les massé, il est Tahor, après avoir été au migré. Maintenant. Il a passé 24 heures, non, Bal Keri, non? C'est direct. Bal Keri, c'est tout ma terre. Ah bon? Il va au migré directement. Ok. Maintenant, Betania, il y a une Braïta qui nous dit, concernant le Zav qui a vu sa vie première Réia. C'est en faisant Betania. Ah, mais Sit est à Réia, celui qui fait. Qui, alors, ah, c'est, ouais. Normalement, c'est que. Le Zav, il est Métamé Toumat Esset. C'est une particularité du Zav. Métamé Toumat Esset, c'est-à-dire que si jamais c'est Toumat Massa, mais si jamais tu pousses avec un truc, c'est Métamé. C'est Métamé. Maintenant. Non, on lui dit chez Yézid des Tipa Tariya. C'est ça. Donc, si jamais il a pris une. Il y avait un Tipa de Zav. Le Zav, là, qui était ta première Tipa, quoi. Et il la bouge comme ça. Donc c'est Toumat Esset normalement. Donc là, à Messi, c'est Tariya. C'est déjà tamé le truc. Mais non, si c'est la première fois, enfin, t'es douche, c'est ça, pas forcément, que c'est la première fois, première Riya, elle a rien. Ah, c'est pas. Elle a rien. Alors maintenant, le problème, c'est de savoir, est-ce qu'elle est rien en attendant, ou elle est rien, même si tu touches. Alors, j'avoue, c'est elle est rien, c'est rien. Quoi, c'est comme de l'eau? C'est de l'eau qui est sortie de l'eau. C'est comme de l'eau. Maintenant, le problème, c'est de savoir, est-ce que c'est rien? En attendant de voir ce qui va se passer par la suite. Ou alors, c'est rien, c'est rien. Ce qui va se passer par la suite, ça va être Mikado là-bas, on verra. Mais pour ce qui s'est passé, c'est rien. Justement, ce que nous dit la Braïta ici. Ah, mais si c'est Tari, il y a Bet Shaman Amrim Toli. Ou Bet Shaman Amrim Tarim, Mishkarot ou Moshavot. Chez Ben Riya Rishona, les Riyas. Pour un, c'est rien, pour l'autre, c'est rien. Pour l'autre, c'est Tari, les gars. Pour d'après Bet Shaman, c'est Tari, les gars. D'après Bet Shaman, c'est Toli. C'est Tari, vous remettez. On va attendre voir ce qui s'est passé le deuxième jour. Comme ce que vous avez vu pour le deuxième jour. C'est la même idée. Maintenant, justement, on a comment te dit ici. Bet Shaman Yomrim Tolin ou Bet Shaman Metarim. Excuse-moi. Mais j'ai mal lu. Encore une fois. Bet Shaman Yomrim Tolin. Bet Shaman Metarim. Mishkaot ou Moshavot. Non. Chez Ben Riya Rishona, les Riya Shnia. Bet Shaman Tolin ou Bet Shaman Metarim. C'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on n'est pas, c'est pas les mêmes frères. D'après Bet Shaman, c'est pas les mêmes frères. Maintenant, on veut Katan et Recha. Vraiment, ce qui nous intéresse, et de là, on vous pose une question sur Ravuna, c'est la Recha. Qu'est-ce qu'on a dit dans Recha? On a dit que Aroé et Riya Achat. Shelzov, Bet Shammai Omrim, Keshomer Etchom, Kenegadium. Qu'est-ce qu'il dit Bet Shammai? Il dit que c'est comme Shomer Etchom, Kenegadium. Ça veut dire quoi? Alma, Shomer Etchom, Kenegadium, les Bet Shammai, Tolin. Tu vois bien que d'après Bet Shammai, une Shomer Etchom, Kenegadium. C'est Tolé. C'est Tolé. Or toi, Ravuna, qu'est-ce que tu es en train de me dire? Tu vois bien que Shimon est Tolé. Toi, Ravuna, tu m'as dit que, quoi qu'il arrive, c'est Tamé. Comment il a dit Ravuna encore une fois dans les mots? Ravuna, Mishkema, Moshava, Shivacheni, Bet Shammai, Metamim. Mais on devrait être tolé.
On devrait être en attente de voir si Bemet, la journée, elle se passe nickel. Pourquoi tu fais une comparaison sur, entre le Zov et. Non, mais c'est, le Zov, je te le compare pas, mais le point, c'est que dans le halakha du Zov, tu m'as dit que le Zov, il est comme la chambre d'atome qui est dégagée. Ah oui, d'accord, ok. Tu m'as dit que le Zov, il est comme la chambre d'atome qui est dégagée. Alors, la Gemara te dit. On parle pas, en réalité, c'est pas qu'on compare. Tu l'as changé quoi. Le Zav, le Réa Rishona, avec une Shomeret Shom Kedegadium, parce qu'effectivement, Shomeret Shom Kedegadium, elle sera Tmea, comme ce qu'il a dit Ravuna. Ça, j'ai pas de problème par rapport à ça. C'est lequel qui est tolé, c'est le Boel Shomeret Shom Kedegadium. Non! C'est pas qu'il est oui, c'est pas qu'il est tolé. Dans ce cas-là, Rav Ouna, il est d'accord que le Boel Shomeret Shom Kedegadium, on n'est pas gouverné sur lui une Touma, tant qu'on n'a pas vu exactement ce qui va se passer là-bas. Ah, j'ai pas compris. Ce que Rav Ouna, il a dit qu'on est gouverné une Touma des Rabanan. Même si cette femme-là, elle est au migré, et même si elle a rien vu, mais revoir, c'est pour la chemin de Chum elle-même. Parce qu'elle a touché. Elle a fait du Mishkan du Moshé. Mais si son Boël, il a touché quelque chose, son Boël, on tient pas. Par contre, le Boël Nida, lui. On va pas le rentamé. Non, on va pas le rentamé. Parce qu'on va attendre de voir ce qui va se passer dans la deuxième journée. Et on le laissera et on le rendra tamé. Et si jamais il se passe quelque chose, on rendra tamé rétroactivement. Donc c'est pas si rien. Si se passe rien, non, c'est pas rien. C'est pas rien. Mais en tout cas, c'est quoi le problème qu'on a avec Ravuna. Le problème avec Ravuna, c'est qu'on a dit que d'après Beth Shammai, une femme qui voit. C'est franchement, c'est un peu tant quoi. Ok, une petite partie d'abord. Je reprends juste sur Ravuna. Ravuna, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit Ravuna. Elle a rien vu. Elle a été au mikvé. Elle a été 11e jour. Elle a vu. Elle a été au mikvé le soir. Elle était boel. D'accord. Même si elle a rien vu le lendemain, c'est. Bon, on va parler de boel, mais même si elle a rien vu le lendemain, elle était. Elle était bien. Elle était bien. D'accord. Nous, qu'est-ce qu'on lui dit? Mais attends une minute, regarde. Sur le cas de Zov, d'un homme. Ouais. On compare à la chevalier de Kedegadium et on dit que sur le Zov, on se rapproche une deuxième baïon. Tu vois bien que le Zov, c'est à la race, c'est que Tolin. Pour l'instant, il n'est pas tamé le Zov. D'accord. Et lui, qu'est-ce qu'on répond? Alors, ça, c'est je réponse, réponse, t'as raison. C'est qu'en réalité, quand on compare le Zav, on ne compare pas à une Zava elle-même, à une chevalier de Kedegadium elle-même, mais on compare le Zav à un Boel chevalier de Kedegadium. Mais alors, c'est quoi la différence? Et donc, effectivement, le Boel Shemarat Shom Kedegadium, c'est vrai que lui, il est tolé. Là, Shemarat Shom Kedegadium, même si elle n'a pas vu de sang, même si elle n'a pas vu de sang. C'est moins pire que le. Bah, d'ailleurs, la Shemarat Shom Kedegadium, c'est de elle que des Mahatouma. Le Boel Shemarat Shom Kedegadium, il est, si tu veux, un petit peu, lui, il est. On avait dit que. C'est une séquence de la Shemarat Shom Kedegadium. C'est un Mahatouma aussi, le Boel. Je suis d'accord avec toi. Mais lui, c'est un petit peu, c'est une deuxième étape. Non, tu peux te poser la question. Pourquoi on serait plus, un petit peu plus Mekel? Quelle différence entre bah, les deux? Si tu considères que l'autre elle est pas tola, d'accord, si tu considères que la femme elle est pas tola, ouais. Quand je suis le Boel, et ben si elle est pas tola, je suis tabé. Parce que à partir du moment où c'est tout moi qui est des Rabanan, c'est des Rabanan, c'est moi qui est des Rabanan, donc les Rabanan ils ont fait ça que sur la Shemarat Shom Kedegadium elle est direct et pas sur le Boel Shemarat Shom Kedegadium. Maintenant pourquoi tu peux comprendre que le Boel Shemarat Shom Kedegadium c'est déjà quelque chose qui. Non, c'est pas que ça est arrivé, donc dans le cas qui sont pas Shriyar, les Rabanan n'ont pas fait de Gdara. Donc, la caméra va dire quelque chose comme ça par la suite. Alors, maintenant, regardez. Juste, on continue encore un petit peu. Alors, la caméra te dit. Vas-y. On finit pas soir. Ah, on va essayer si on a un petit peu. Allez, vas-y. On peut finir. Avec 4 années. Où j'en suis dans les mots là. L'autre est ma chômage de l'homme. Et la caméra qui est bonne chômage de l'homme qui est gagnant. Alors, la caméra pose la question. Imagina i ou de l'homme métamé Mishkavumusha ou imagina i de métamalé. Pourquoi? C'est ta question en réalité, je ne me rappelle pas que les gens ont posé la question. C'est ta question. Comment ça se fait que tu fais une différence entre la Shemarat Shom Kedegadium que tu me dis que. Et le Boel. Quoi qu'il arrive, c'est tamé. Et le Boel. Ouais, bon,
Bah ouais, mais il faut que ça. Après, il y avait un peu de logique. C'est cohérent de mettre une limite. C'est pas... La réponse à ce que je vous ai dit, c'est qu'en fait, c'est que comme c'est pas Schiar le bois du chômage qui est dégagé, donc on n'a pas été couvert sur elle. Oui, donc en fait, t'es obligé d'amener à la limite de ta Xera, t'es obligé de donner une Zvara à ça. Oui, oui, bien sûr. D'accord, c'est tout. Tu peux pas dire, je fais ce que je veux. Imagina, Iou, de l'Oshricha, Bé, Damim, l'Ogazo, Bé, Rabbanan. Iou, de l'Oshricha, Bé, Damim, Gazo, Bé, Rabbanan. D'accord. Donc ça dépend de ce qui est Schiar ou ce qui n'est pas Schiar. Je dis la Gmara maintenant. Imagina, Mishkav, Moshav, de Metamiale. Pourquoi finalement tu es métamé le Mishkav ou Moshav, son Mishkav ou Moshav à lui? Encore une fois. Imagina, alors, Maïchena, encore une fois, parce que l'action, elle, c'est une petite finesse. Hein. Pourquoi, puisque tu m'as dit que elle, vu que c'est Shriar, qu'elle a du sang, d'accord, donc tu me dis que les Rami ont fait une Xera, même si on n'a pas vu de sang, ils ont interdit, tout le temps ils ont dit que cette femme-là, elle est Tmea Amidrabanan. Donc pourquoi, dans le Boel, on n'a pas fait une Xera de Rabbanan, au moins pour son Mishkav ou Moshav. Oumachina, Mishkav ou Moshav, est à Malé. Oumachina, Boel, de l'Obé, est à Malé. Je crois que c'est un peu plus grand. C'est ça. Pourquoi tu me dis. Ah. Pourquoi tu me dis. Voilà. Non, non. En fait, c'est. Ça la grande le pose un petit peu sur un autre angle. C'est-à-dire que. Nous on a expliqué, on a dit que tu sais quoi, on est gauder sur la Shematzion Bidekinayum, pas sur le Boel Shematzion Bidekinayum. Moi je comprends pas un truc. Comment ça fait que tu dis que la Shematzion Bidekinayum, elle aimait ta main son Mishkav Moshav. Elle, quand elle s'assoit quelque part, pourquoi elle ne ferait pas métamer son Boel? Oui, mais c'est la même question. C'est la même question, mais différemment, parce que, un, c'est que tu regardes le Boel Mitzad Atzmo, tu dis voilà, le Boel, lui, c'est ce type là, il en mode. Mais là, tu regardais, elle a dit, elle est Betama. Elle est Betama lui aussi. C'est-à-dire que, un, il a tout moi en tant que Boel. C'est comme si il y en a une qui est Richon et l'autre qui est Richon. C'est pire que ça. C'est comme si je te dis, voilà, tu sais quoi, toi, Mushkav Moshav, je suis Betamé ça, mais ça, je ne suis pas Betamé. La grande, elle répond encore l'Oshriar. La grande, elle te dit quoi? Elle te dit. Là aussi, elle a mis des limites à la Xera de Tmea. La grande, elle te dit qu'encore une fois, Mishkav Moshav de Shriar, c'est Shriar qu'une femme, elle s'assoit sur quelque chose, donc là, ça, c'est quelque chose qui arrive, donc c'est, on est Metamé. Metamé, allez. Boel de l'Oshriar, le Metamé. Très bien. Maintenant, la grande, elle reprend. Qu'est-ce qui peut après quand? Qu'elle aille avec son mari? Bah oui, enfin, normalement, elle ne veut pas aller avec son mari, elle veut avec son mari, non. Okay. la grande, elle reprend une partie de la Mishnah qu'on avait dit aussi juste avant. Tnan. Tavlayom Shilacharav, si jamais cette femme-là elle s'est trempée le lendemain, d'accord, donc elle a vu le 12, elle s'est trempée le lendemain, mais Shimisha. Non, elle a vu le 11. Non, excusez-moi, on parle de Torfudalef ici, non? Encore une fois, Modim, Shirabiroab, Torfudalef. Mais Tavlala, elle est. Elle a vu le 8, pas le 12. Tavlayom Shilacharav, on parle d'une femme qui a vu le 8, c'est assez fort. On a dit dans la Mishnah que jamais une femme elle a vu le 8, et que se trempe au Migvé. Le 9, d'accord. On a dit quoi dans la Mishnah? On peut dire que, aussi bien d'après Shammai que d'après Beit Hillel, tout le monde est métamé. Tout le monde est métamé, mais, encore une fois, c'est Arezout Tarboutra, ou Magan, ou Beilatan, Tlouin. D'accord, ok. Et leur Maga, leur Maga et leur Touma, quoi, c'est Tlouin. On va voir ce qui va se passer dans cette journée-là. Si dans cette journée-là, elle va voir du sang, donc, cette femme-là, les Mafréa, on va être métamé, ce qui s'est passé. L'Agma te dit, tu vois bien qu'il y a marqué ici clairement, que tant qu'elle n'a pas vu, bah c'est tort, c'est seulement quand elle verra que c'est tamé. Et là, tu me parles d'après qui? D'après tout le monde. D'après tout le monde, même d'après Béchamay. Donc tu vois bien que ce que Ravuna a dit dans Béchamay, c'est pas vrai, puisqu'on est en train de nous dire ici que... Mais c'est pas tort, pas tamé, mais c'est pas tort. Le problème, c'est que lui, il a dit que c'est tamé quoi qu'il arrive. Ouais. Lui, il a dit que c'est tamé quoi qu'il arrive, et en plus, il a dit que c'est tamé dans un cas qui est encore plus calme que ça, c'est le 12e. Là, on est dans le 8e. Maïla vivra kol hi lo la gma dit Beit Hillel, c'est Beit Hillel en fait qui parle. C'est que Beit Hillel qui dit cette chose là. Pourquoi de Tania? Marlem Rabbi Yehuda le Beit Hillel, Rabbi Yehuda il a dit le Beit Hillel, Rabbi Yehuda il a dit à Beit Hillel, vechi la zuatem korim tarboutra, c'est ça que vous appelez vous tarboutra en parlant de la femme qui s'est trempée le 9e jour par exemple et qui a été avec son mari, vealon kavenze il a livre ol tanida. Elle va dire quoi? Elle n'est pas nida cette femme là, elle est au milieu, qu'est-ce que tu racontes? Et là, déjà, premièrement, c'est dans la période de Zava, et en plus, elle est au Migvé. Non, c'est pas la période de Zava.
Donc on voit en tout cas que c'est Bet Hillel qui a dit cette phrase. Donc très bien, donc Ravuna finalement, on est resté sur le fait que Ravuna, il n'y a pas de question sur lui, on s'est arrangé, on a pu très bien arranger. Maintenant, moi, on va commencer un nouveau point. Et là, c'est la question que tu avais posée au tout début, que tu avais posée, je ne sais plus. C'est, on a parlé d'une femme qui voit le 11e. Maintenant, elle a dit une femme qui voit le 10e. Parce que le 10e. Non plus, il n'arrive pas. Tu peux pas arriver à Tu peux pas arriver à une vague de là. Donc maintenant, c'est vrai que tu peux voir le 11e, mais tu peux pas arriver à une vague de là. Si tu raisonnes comme ça pour le 11e, c'est sûr que tu vas raisonner comme pareil pour le 10e. Apparemment, pas forcément. Alors, sur quel point? Sur le point que. Bet Hillel, Nadal. Mais tu vois, c'est sûr que non. Bet Hillel, lui, te dit qu'il n'y a pas besoin de chômage qui est gagné. Mais dans le 10e, il n'y a pas besoin de chômage qui est gagné. Voilà, le 11e, tu peux être chômeur, toi, c'est encore un jour de Ziva. Oui, mais si la Ziva, c'est de dire que. De voir jusqu'à. Si elle va au bout. Elle peut revoir un jour de Ziva aujourd'hui. Ouais. C'est vrai que c'est un jour de Ziva qui serait que 2e, sans 3e. Mais ça peut être de la Ziva aujourd'hui. En bref, avec moi, vas-y. Itmar. Assyri. Rabbi Yochanan Amar, Assyri Kitchi. Tu dis que le d'après Rabbi Yochanan, c'est comme le 9e en fait. Machi Baishimur, Afasiri Baishimur. Le 10e, il n'y a pas de différence. Assyri Khalasa. Ma Khalasa lo Baishimur, Afasiri lo Baishimur. Ça, c'est une première version. On regarde entre Rabbi Yochanan et Ashtakish. Clair. Maintenant, deuxième version, c'est ce qui se passe jusqu'à la fin de la Maseret. Il y en a qui disent que la marloquette entre Rabbi Yochanan et Rech Lakish, elle se rapporte sur autre chose. Amar lo Rabbi El Azar ben Azaria Rabbi Akiva. Rabbi El Azar ben Azaria, il dit à Rabbi Akiva, Af Atam Marbe, Beshe, maintenant en fait on parle du Korban Toda. Et le Korban Toda, on sait que dans le Korban Toda, il y a 40 petits pains, il y en a 30 de Matzah et 10 de Chametz. Et il y a une certaine quantité d'huile qui est de Khatsi Aïn. Khatsi Log. Khatsi Log. Maintenant, on te dit. Et on fait des drachotes par rapport au fait qu'il y a marqué plusieurs fois le terme Shemen dans Toda. Donc en tout cas, bon, sans rentrer dans exactement quelle était la marque entre Rabbi et Rabbi Akiva. Rabbi Akiva, lui, qui voulait faire une dracha du fait qu'il y a marqué beaucoup de fois le mot Shemen. Donc c'est qu'on doit mettre plus de quantité de Shemen dans le Toda. Il te dit que même, même si tu marques des 100 fois Bashemen dans le Passouk, tu ne pourras pas conclure cette halakha-là que. Et ni chômé à l'écran, je ne t'écouterai jamais de dire qu'il n'y a qu'un demi-log de Shemen pour le Korban Toda. Et là, Khatsi log Shemen et Toda, Revit Yaina Nazir, pour le Nazir aussi, quand est-ce que le Nazir s'est considéré qu'il a transgressé cette Nazir ou en ayant bu du vin, c'est seulement quand il a bu un Revit Yaïn. Et là, c'est ça qui nous intéresse. Ve Achad Asariyom chez Ben Nida Lenida à la fin de Moshe Mishinai. Ces choses-là, de Khatsi Yaïn, de Khatsi Yaïn, de Khatsi log, et de Revit Yaïn, et de 11 jours entre une Nida et une Nida. Rabbi Akiva, il dit que comme il y a marqué plusieurs fois semaine, on peut mettre en place. C'est ce qu'il a voulu dire, faire de Rachot par rapport au Psukim. Il vient lui dire bien mal, il y a une Rachamim de Sinai, ne commence pas à nous rapporter Psukim, c'est Khatsi Log, Shemen pour le Korban Toda, et les 11 jours qui est entre une Nida et une Nida. Qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Cette tâche est la même. Et c'est là qu'il y a une Rachot Rabbi Yochanan Rachot, qu'est-ce qu'il a voulu dire par là? Qu'est-ce qu'il y a une Rachamim de Sinai? On dit c'est quoi la halakha de Moshe Mishinai qui est dans ces 11 jours. Maya halakha, Rabbi Yochanan Amar, halakha Yudalef. Il y a une halakha sur le 11e jour. C'est pas les 11 jours qui est entre le truc, c'est le 11e jour. Il y a une halakha de Moshe Mishinai, c'est le 11e jour. Il y a que le 11e jour qui a. C'est quoi la halakha? C'est que le 11e jour, il n'y a pas l'Oba Ishimon. D'accord. Que d'après Bet Hillel. Du coup, que d'après Bet Hillel. Tu rentres dans plein de trucs là. Là, on rentre après Bet Hillel, on parle de Bet Hillel. Ah oui, pourquoi tu me dis que Rabbi Elazar ben Azariah n'a parlé que d'après Bet Hillel? À la fin, a priori, il n'y a pas de raison de dire qu'il parle. Donc, on a dit encore une fois ici que le 11e jour, c'était dans la fin de Moshe Mishinai. Rabbi Yochanan te dit, Alaha Achalasa. C'est-à-dire, Achalasa ou de l'Oba Ishimo. Non, excuse-moi, j'ai. Rabbi Yochanan Amar, Alaha. Rabbi Yochanan Amar, Alaha Yudalef. Alachot Achalasa. Il y a deux Alachot par rapport aux 11 dans ces 11 jours. D'accord. Alors, c'est quoi les deux Alachot? Lui, c'est le 10 et le 11. Rabbi Yochanan Amar, Alaha Achalasa. Achadasa Rude Loba Ishimu, c'est seulement le 10e que Loba Ishimu. Ah, la Harine, Abitimu, tous les autres jours, même le 10, il y a besoin d'un Shimu. Chamek Ishamar. Chamek Ishamar, à la Chot Achadasa,
Lo echalasar bay shimur, velo shimur la asiri. Et pareil aussi, il n'y a pas de shimur. Et en fait, non. C'est le, en réalité, c'est une double alakha sur le 11, d'après Rash Lakish. Parce que le 11, pas, lui-même, il n'y a pas de shimur pour lui. Et en plus, il ne peut pas mettre un shimur pour le poésis. Il ne peut pas mettre un shimur pour la veille. D'accord, donc c'est deux alakhot sur le 11. Très bien. Donc maintenant, avec moi, je dis, attends. Donc tu es en train de me dire que ces trucs-là de 11 jours, entre du 11e jour, c'est une alakha à Moshe Mishinai. Moi, je me suis dit, Tsukim, c'est pas une alakha à Moshe Mishinai. Je vais t'apporter une braïta, donc c'est la braïta qui va jusqu'à la fin de la Masekhet, que c'est des psukim finalement, mais Furashim, cette histoire de toute cette histoire de 11 jours, etc., c'est marqué dans les psukim, c'est pas une alakha à Moshe Mishinai. C'est quoi le mandement? Ané alakhot ninou, ané ekraïnou, c'est des psukim, des tanya. Il y a marqué. Yachol, aroa, gimol, yamim, betrilat, nida. Donc là, on va poser plein de questions. Ouais. En fait, cette braïta là, c'est une braïta presque, je vais la mettre en début de Masekhet, en réalité. C'est toute la base de Ilkhot Nida. Donc, vous connaissez, il y a les premiers 7 premiers jours de Nida, il y a les 11 jours de Zava, qu'il faut 3 fois, 3 rayotes pour être Zava de Horaïta, qu'une Reya c'est Jayez Mitouma, mais c'est pas encore de Horaïta, etc. Toute la fois là, c'est dans cette braïta là. Et en réalité, tout ça est tiré de psukim. Alors, c'est quoi les psukim qu'on rapporte ici? Il y a marqué, est-ce que c'est possible qu'une femme, Yachol Aroa Gimel Yamim Betrilat Nida Retsufim, Te'ezava? Est-ce que c'est possible qu'une femme qui voit, au tout début de son cycle, pendant la période de Nida, est-ce qu'elle va devenir Zava en voyant 3 jours? On sait que la Zava c'est 3 jours. Est-ce qu'une femme qui voit 3 jours dans la Nida, elle devient Zava? Parce qu'on a pu avoir une logique comme ça. Uma Anime Kayem Ishakiti Zava Dam Yezova Beroyam Echad. Et c'est quoi le... C'est quoi ce que j'applique? Ouais, c'est quoi ce que j'applique dans la paracha qui nous parle du corban et de la vraie Zava? Ça serait pour celle qui est seulement roi Yom Echad. Encore une fois. C'est ça. Parce que d'un côté, il y a quand même marqué clairement dans la Torah hein, que la femme Nida, enfin, qu'il y a une certaine femme qui n'a pas besoin de Shiva Nekim et qui n'a pas de Korban. Donc nous, on sait très bien que la conclusion, ça va être que la femme Nida, il n'y a pas de Korban. Une femme qui voit du sang Nida, il n'y a pas de Korban. Le Korban, il n'est que pour la Zava Gdola. D'accord ? Maintenant, nous, la Gemara dit, est-ce qu'on va peut-être supposer, et peut-être qu'on va prendre les psukim, que quand la Torah te dit que, tu sais, il y a la période de Nida, mais si elle voit 3 jours de sang d'affilée dans la période de Nida, ben peut-être qu'elle devient la Zava qui, elle, est concernée par la Lacha de Shiva Nekim, par la Lacha de Korban. Et la Lacha qui nous parlerait, et qui nous dirait qu'il n'y a pas de Shiva Nekim, c'est celle qui voit, qui est roi Yom Echad, pas roi Shlosha Yamim. Umani Mekaye Mishakitie Zava, Dam, qui est Zava Dam Yezova, mais roi Yom Echad. Alors, la Gemara dit dans ce papier, c'est une chose comme ça. Talmudomar, Belo et Nidata. Talmudomar, on apprend de Belo et Nidata. Ça veut dire que la Zava elle ne peut être que quand elle est en dehors de la période de Nida. Nida. Alors, la Gemara dit Samouch le Nidata. C'est seulement quand c'est après Samouch, c'est-à-dire c'est juste après la Nida. Ve'en li et la Samouch le Nidata. Moufla de Nidata yom echal minayin. Ok, tu m'as dit que. Donc la période de Nida, c'est combien de jours? 7 jours. 7 jours. Maintenant, je sais que Samour Linidata, elle peut dire, bah, ça veut dire quoi Samour Linidata? Il y a 8, 9, 10. Maintenant, d'où je sais que quand c'est un jour plus tard, c'est-à-dire 9, 10, 11, ouais. C'est aussi Zava. Ou pas bien, seulement ça. Ou bien, Yamechal, 9, 10, 11, 12, 13. C'est plus du tout Samour. Est-ce que dans la caparaison, on va la rendre Zava? Donc là, on va voir jusqu'à combien de jours on la rend Zava. Samour, VN, il y a la Samour Lindata, Mouflag, on s'est un petit peu éloigné, Lindata Yom Echad, déjà un jour, Minaïn, Talmudomar, Okitazou. Le Okitazou, c'est un ribouille qui nous dit que même quand elle voit le 9, 10, 11, d'accord. C'est aussi une Zava. Elle est là, Yom Echad, Minaïn, les robots Mouflag. Quand c'est Mouflag, 10 jours. Ouais. D'accord. D'où je sais aussi la même chose. À Martha, on va dire. Matinou Berevi. Si déjà le quatrième jour. C'est quoi le quatrième jour? Parce qu'on a fait 2, 3, 4. On est arrivé à 2. On a vu un Mouflag. Donc ça fait 2, 3, 4. 2, 3, 4. Donc on est arrivé jusqu'à 4. On arrive jusqu'à 4. Si déjà le quatrième. Chez Raoui les Sphira. Verra où il est Ziva. Le quatrième.
c'est un jour qui potentiellement, si jamais il avait eu 1, 2, 3, pas 2, 3, 4, bah, le 4ème, il aurait été le début des Shivaniki. Ouais. Donc il était Raoul Esfira. Et tu me dis que vu qu'il est Raoul Esfira, il est aussi Raoul de commencer une Zavagdola. Donc pareil, tous les 7 jours qui sont Réouïm, les Sfira, Chivan et Kim, ils sont aussi Réouïm à commencer depuis, à partir de une Ziva. Donc, c'est pour ça qu'on arrive jusqu'à 11. C'est pour ça qu'on arrive jusqu'à 11. Donc ça va pas avec... Très bien. Non, pour l'instant ça va. Pour l'instant, là, ce qu'on veut prouver ici, on veut juste prouver ici que c'est la Khotat, c'est des Psukim, c'est pas une Alakam et Jemishinai. Là, on va arriver... Tu vois bien que le 11, tu peux garder, il n'y a rien de particulier dans le 11. Tu vois bien que dans le 11... Il n'y a rien de particulier. Non, parce que. Il est comme le 7. Comme il est... Non, dit que tu peux aller jusqu'au 7ème jour. 7ème jour, tu peux commencer de la Ziva. 7, 8, 9. 7, 8, 9. Qu'est-ce que tu as dit? On a dit qu'à partir du 4ème. Ouais. Vu que le 4ème. Réouïm et Sfira. Donc, du coup, ceux-là aussi, ils peuvent enclencher un cycle de Ziva. Et tous ceux qui sont au-dessus de 4. Donc jusqu'à 11. Jusqu'à 11. Alors donc le 4 11... jusqu'à 10. De 4 jusqu'à. Pourquoi de 4 Elle ne dit pas. 7, 8, 9. Non, excuse-moi. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et donc voilà, donc il y a. Donc, y a donc jusqu'à 10. 10. Ah oui, 10, pas 11. Jusqu'à 10. Maintenant, la droite te dit. On va voir. Non, mais non, si, le 11 aussi. Puisque le 11, vu qu'on a été mon flag Yom Echad, on l'a appris. Donc le 11 aussi. 2, 3, 4. 2, 3, 4. Après, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. C'est ça, 7. C'est les 11 jours. Je t'ai dit. C'est les 11 jours chez Manizan. C'est parce qu'on arrive à. Parce qu'avec quel mouflet, ce n'était pas mouflet, c'est 10. Comment on fait? Comment on arrive à? Non, maintenant, on était Samour, on savait. Mouflag, par le ribouille, on arrivait à Mouflag. Mouflag, donc tu peux commencer à 2. Et tous ceux qu'on peut. Et les jours. Qui sont inclus dans les Shivan Ekim. Dans les Shivan Ekim. Donc, comme quand tu commences à 2, ça fait 2, 3, 4. C'est quoi les Shivan Ekim? 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okay. Donc, touche jusqu'à 11. Maintenant, après, on n'est pas encore en train de savoir est-ce que le 11, il y a Baeshimo, le Baeshimo qu'on avait dit, Baeshimo et Batilé, on n'est pas encore en train de ça. Okay. Maintenant, lève-moi, je te dis. Afin, il y avait la Syrie, chez Raoul Esfira, vers Raoul Esiva. Maintenant, moi, je te dis, Ouminaï, les rabots, Achalasa. T'as mon nom, Beloet Nidata? Il y a marqué Beloet Nidata. Yachol Shani Marbe Afshne Masa. Alors Beloet Nidata. Beloet Nidata. Oui. C'est quoi Filoumouflak Leyam Arbe? C'est de là qu'on apprend Filoumouflak. Non. Quand il faut Mouflak, on apprend d'où? Qui t'azouv. Une seconde. Les 4 Katva Torah Beloet Nidata. On m'a remis un affirm et chadassar chez Metzaref et Shlosha Yemezivor. Je n'ai pas compris. C'est-à-dire que le 11ème, il peut être le 3ème jour de Yemezivor. Minaï les rabots à chadassar et mechad Yemenidata chez Metzaref et Shlosha Yemezivor. Minaï les rabots, c'est ça? Mais je n'ai pas compris, puisqu'on a dit Mouflag, je ne vois pas pourquoi tu. C'est quoi cette question? Alors apparemment, le Khajbon de Mouflag, ça Agma ne le fait pas. Parce que tu as dit toi, Agma ne le fait pas, il a besoin d'un passage spécial pour me dire que le 11ème, il peut être aussi considéré comme un début de Ziva. Pourquoi? Faudra vérifier pourquoi, t'as raison. Moi aussi, au début, je comprenais comme toi. Terminement, Beloet Nidata. Alors, mon langue, elle dit Yachol Shani Marbe Af Shne Masar. Peut-être que même le 12ème. Et alors, le Beloet Nidata, quoi, c'est un ribouille. Donc, le Beloet Nidata, c'est bien de dire que tant que c'est pas dans la Nida, je t'inclus que c'est considéré comme la Vava. Ça vient de dire qu'il y a tous les jours qui sont pas. Qui sont Beloet Nidata. Beloet Nidata, on l'a déjà utilisé pour te dire que c'est pas possible pendant le. Pendant les Yémen Nida. Nahon. Donc, tu dis qu'on peut pas l'utiliser pour une deuxième rachat. Khadak, alors est-ce que tu as fait des noms? T'es ma dernière. Amar Chagor, Estalmud Lomar, Almidata, ou Michel Akatov, O Kitizov Alidata, Kolimezov, Tumata, Keme Nidata, Jetemea. Je sais pas où est-ce que j'ai, mais. Tof. Donc en tout cas, la question que tu demandes, c'est toi, ça, tu l'as demandé. Donc il dit que tu peux pas être Médamé et Drachot en même temps, bon. En tout cas, l'Agma vient, on va essayer de voir un petit peu comment l'Agma est terminé sur cette bretta là. Maintenant, est-ce que je vais inclure aussi le 12ème jour? Yachol Shani Marbe Afshne Masar, Amar Talav. On a dit que non, le 12ème jour, on va arrêter, c'est pas un jour de Zava. Le 12ème jour, c'est déjà plus le cycle de Zava. Pourquoi? Umara Ita les Rabot Achalasa ou le Otsishne Masar. Comment tu as pu te permettre d'inclure le 11 et d'exclure le 12? Tu dis Marbe Ani Achalasa, Shiraoul Esfirat, Okitazov. Ah voilà.
Je préfère mieux être Marbé le 11, parce que le 11, il est Raoul Esfira par rapport au Okitarov qui est le Mouflag. D'accord, ok. Là, on revient sur le Mouflag que tu as dit avant. Vu que le 11e, il est Raoul par rapport à l'Esfira de Okitarov. Ça suffit pas le Mouflag, en fait. On a besoin de cibler votre ligne data. Ou Motia Niyudbek chez N Raoul Esfira de Okitarov. Parce qu'Okitarov, on a dit que c'était seulement Mouflag un jour. VN, il est Lachlo Shayamim. Maintenant, on a compris. Enfin, maintenant, on veut savoir d'où apprend-on que une Zava qui voit aussi Shnei Yamim, elle est aussi Tmer. On sait que la Zava, c'est 3 Reiyot. Donc, c'est que 3 Yamim. Donc, c'est que Eni, il a Shlosha Yamim, Shnei Yamim Minayim. D'où je sais que 2 jours aussi, c'est déjà considéré comme une Zava. Talmud Omar, Yeme, Yom, Yeme. Il y a marqué Yeme. Le mot Yeme, il veut dire 2 jours. Donc, si elle a Yeme Zova, il y a marqué dans le pasuk Yeme Zov, tout matin. Yeme veut dire 2 jours, par 2 rayotes. Non, parce que il dit pas Yemeziva, Yemezov tout matin. Yemezov tout matin, c'est un, comment ça s'appelle? C'est un yachid avec un rabim. Non, les jours de son zov, quoi. Et alors? C'est les jours, il y a les jours, les jours, il est au pluriel, il n'y a pas de yachid. Maintenant, d'où je sais que Yom Echad aussi, c'est considéré comme une zava. Minayin tel Olomar, kol Yeme. C'est inclus. Maintenant, Tmea, le mot Tmea qui est marqué dans le pasouk. Mais la met chez Metama et Boala, Kenida. On apprend que cette femme-là qui est chômée à Tchon Kenegadium, elle aussi elle est Metama et Boala, Kenida. C'est-à-dire que normalement, on sait que quelqu'un qui est Boel Nida, il est Khaïf Karet, donc c'est que celui qui est Boel aussi, chômée à Tchon Kenegadium. C'est aussi Rav Korban et Karet. On apprend de ce passage là, de Temea, mais la mèche est Metam Aïd Boala Kinida. On dit que I, le fait qu'il y a marqué Temea I, c'est quoi, qu'est-ce qu'on fait comme rachat du mot I? I Temea, I Metam Aïd Boala, VN Azav Metame Machu Boel. C'est seulement la Zava qui Metam Aïd Boala. Mais le Zav, lui, il n'aime pas Metame la femme qui est le Boel. D'accord? Donc la rachat de Boel Nida, de Boel Zava, seulement quand c'est une Zava, pas avec un Zov. Véalodjinou, pourtant on a pu faire un cadeau romain en se disant que Oumahi, si déjà elle, qui n'est pas Métamé Beriot, qui est Métamé seulement Beyamim, je n'ai pas Métamé Beriot qui est Beyamim, Métamé et Boala. Si déjà elle qui est Métamé Beyamim, et pas Beriot, elle est quand même Métamé et Boala. Alors lui qui est Métamé Beriot, ou chez Métamé Beriot qui est Beyamim, et Nodjin chez Métamé et Machou, ouais, normalement on aurait dû dire un cadeau romain que le Zav il est Métamé aussi, la femme qui est avec qui est Boel. Talmudomahi. Il met à mettre Boala, il y a une exclusion par le fait qu'il marque Hi, qui nous dit que c'est seulement elle qui met à mettre Boala, et elle va mettre à mettre Machou Boel. Mais encore une autre halakha maintenant, Minaim Shiwo Tsi Mishkav Moshav, d'où c'est donc que le Boel Nida, il est aussi Mishkav Moshav, Talmudomar, Ke Mishkav Nidata. C'est pas seulement la Nida qui est Nida, mais même le Boel Nida, il est aussi Ke Mishkav Nidata. On avait Elni Ela Shlosha Yamim, Shne Yamim Minaim. Shne Yamim de quoi? Donc je c'est seulement. Veni osi mishkav u'moshav beyamim shachar amida. Pour la touma de mishkav u'moshav, donc attends encore une fois parce que là on l'a déjà appris de kol yeme, de yeme et kol yeme les deux rayons. Ça c'est pour Ziva, pas pour Nida. Kol yeme c'est pour Ziva, c'était non, pour Ziva. Non mais très bien. Mais c'était là, pour Ziva, là, c'est là, pour Roger, c'est Mishomerajem Kenegadjem, là on parle de Nida. Shlosha Yamim. Voilà. Parce qu'il dit Rashi hein. Je dis Rashi. Veni aussi Mishkav Moshav Yamim Shachar Anida. Yamim Shachar Anida, donc c'est dans la Zava. Et là, Roa Shlosha Yamim Shnei Yamim Minayin. Ah, c'est-à-dire que. On sait que la femme elle est Tmea, mais d'où on sait qu'elle est Tmea aussi à un niveau de Rantamé aussi, son Mishkav Moshav. C'est-à-dire que nous on avait appris de Yeme, Kol Yeme, que la femme qui est Roa Shereyot, elle est Tmea, c'est-à-dire, elle est Tmea. Mais d'où je sais qu'elle a aussi le niveau de Touma, de Mishkav Moshav, Touma Khamura quoi. D'où je sais qu'elle a aussi cette Touma Khamura. Alors on apprend ça du fait qu'il est marqué Kol Yeme. Dans le passage de Kemishkav Nidata, il est aussi marqué là-bas Yeme. Et Yom Echad Minaim, Kol Yeme. Maintenant, Minaim, c'est Soferet Echad Lechad. D'où on apprend que c'était la Chara de Soferet Chon Kedigal. Donc là, c'est vraiment toutes les bases de Yichot Nida. C'est vraiment la source, le m'accord de toutes les halakhot. Ce qui est très marrant, parce que si tu vas dire, on avait dit, on avait pensé que Soferet Chon Kedigal, comme il dit là, Echad Lechad, c'est-à-dire que deux jours, j'aurais dit deux jours, on dit attends, non. Attends, c'est Soferet Echad Lechad, il n'y a pas marqué Shneim et Shneim, en tout cas. Un pour, la va dire après pour Shneim. Donc on sait que Soferet Echad Lechad, il y a marqué, Talmudomar, Yiyela. Yiyela, elle aura pour elle un jour, on comprend.
C'est-à-dire que c'est aussi Fla Avaya Shimo. C'est-à-dire que Yi est là, elle devrait être en plus, elle aura un autre état. C'est-à-dire qu'elle elle est Tmea quand elle est le jour où elle a vu du sang. Et Yi est là, elle aura aussi un autre état de impureté. C'est l'état où elle devra garder et devra vérifier ce jour-là. Maintenant, Yachol qui se porte Shiva, est-ce qu'elle va voir Shiva Lishnaïm? Est-ce qu'elle va voir 7 jours pour celle qui a vu 2 fois? Et moi, je dis non, vas-y nous. J'aurais peut-être pu faire un calva chomer en me disant Uma Roushen Sofer Echad, les Echad Sofer Shiv Alishnaim. Si déjà le Zav. Lui, le Zav, il n'y a pas de chemin de Chum qui est dégagé pour le Zav. Et malgré tout, quand il voit 2 fois le Zav, c'est vrai qu'il n'y a pas de Korban, mais il y a Shivanekim déjà pour le Zav. Le Zav, lui, il a Shivanekim au bout de jeter Reyot. La Zava, elle n'a pas jeté Shivanekim. Il veut 3 jours. Enfin, donc 3 fois. 3 jours. 3 jours, 3 jours, Shiva. Alors, oui, chez Soferet Echad, les Echad, et Nodin, si tu dis Sport Shiv Alishnaim, qu'elle devra avoir. Quel est Shivanekim, donc on aurait pu faire un cas de la première, c'est-à-dire que la femme qui voit 2 rayot, elle voit Shivanekim. Talmud Lomar, il est là, et la Soferet, et la Yoma, elle ne compte que son jour. Donc là, on apprend que même celle qui voit deux jours. Comment tu prends 2 jours et il est là. Yula, si tu veux. Non, il est là. Il est là. Aussi, là, Avaya Shel Shamor. Avaya Shel Shimor. Donc ça, c'est. Attends. Yiyela, Ena Soferet et la Yoma. Le fait qu'il y ait marqué Yiyela, il n'y a pas justement, qu'il n'y a pas marqué Yiyula. Justement, c'est l'inverse de cette histoire. Le fait qu'il y ait marqué Yiyela et pas qu'il y ait marqué Yiyula. Si il y a marqué Yiyula, tu aurais peut-être pu dire que c'est beaucoup de jours qu'elle devrait être chomérette. Mais il y a marqué Yiyela, elle sera chomérette un jour. Et alors? Pour le un jour? Non, mais on te parle aussi de Yémé et Kol Yémé. D'abord, on parle aussi de ce qui est jeté Yamin. Ouais, d'accord. D'accord? Maintenant, Almak, en tout cas, point. Nekuda. Ça, c'est la fin de la Breta. Ouais, parce que si elle est 2 jours. Si elle est 2 jours, elle est chomérette Yom Echad. Que Yom Echad. Ah bon? Que Yom Echad, exactement. Vlo Shiva. Que un seul jour. Okay. Maintenant, la Gemara est terminée sur ça. En tout cas, de ce qu'on a apporté ici, on a vu que la Lacha des 11 jours, enfin, que les 11 jours qui sont entre une Nida et une Nida, on a pensé pas dans la Lacha de Meshem Mishina, on a pensé dans le Pas de Psukim. Donc la Gemara dit de la même façon que les 11 jours, tu les apprends de Psukim. Pareil, la Lacha de 11 jours qui est marquée ce qu'on est du 11e jour, elle est aussi déductible de ces Psukim potentiellement. Donc comment toi tu peux me dire Rabbi Yochanan que c'est une Lacha de Meshem Mishina? Enfin, par Rabbi Yochanan, comment tu peux me dire toi? Oui, que Rabbi Yochanan te fait parler de ça pour la Lacha de Meshem Mishina. Alma, Krayeninu. Alors on a dit les Rabbi Akiva Kraye, les Rabbi Yezam Nazaria, il chéta. On va laisser Marloquette. Et d'où ce qu'il lui a dit? Il a dit, je peux me dire ce que tu veux, moi c'est Alma. C'est Rabbi Yochanan, moi c'est Lacha de Meshem Mishina. Alors les Rav Shmaya, les Rabbi Abba. Emma, alors on va dire, on va peut-être se poser une question, on va dire que Emma Bimama Tivezava, Belela Tivenida. Comme il est marqué Yemezova. Ouais, pas mal. Peut-être que la femme, elle est Zava que quand elle voit du sang dans la journée. Mais si le sang, elle le voit dans la nuit, et bien elle serait Nida. Parce qu'il y a marqué Yemejiva. Parlez à l'Echa Martha, surtout le passage qui dit Anidata, Samour, Lenidata. Le quoi qu'il arrive, la Zava, elle n'est pas dans les jours de Nida. Mais elle est toujours après les jours de Nida. Le Al, il dit que c'est Samour Lindata. Samour Lindata, c'est quand? Et Matave, c'est Balayla. C'est quoi Samour Lindata? Il t'a mis ces 7 jours quand? Il t'a mis ces jours-là à la fin de la journée. Donc, c'est-à-dire que c'est, dès que tu termines les jours de Nida, tu mets qu'il y a commencé la Zava. Donc, tu vois bien que la Ziva commence aussi la nuit. Alma, Samour Lindata et Matave. Balayla, Veka Kareleu, Zava. La dernière phrase de la Maserhet, on ne va pas la faire. Demain, la Tfila aussi, ne la faites pas. Non, je rigole. Pourquoi la tfila, j'ai pas compris. Parce que tu as pas vu c'est quoi la fin de la matérielle. Ouais. C'est un bel yaou. À la cour d'Ombedra Tachem, il nous reste une souga très compliquée à terminer pour vendredi sur Ombedra Tachem. Bahou Hachem, Ombedra Tachem, Oshatovar.